Enseignement, un terrain d'entente entre ministères et syndicalistes. Les enseignants FRAM, réunis au sein de l'association ANEFA, sont prêts à reprendre du service après ces 2 mois de grève. En effet, après la rencontre avec Paul Rabari, ministre de l'Éducation nationale, cette association, présidée par Elidio Ndjianzaf, s'est résolue à limiter le nombre des enseignants FRAM à recruter au sein de la fonction publique à 10 000, conformément aux postes budgétaires disponibles. Ces instituteurs recevront également une formation supplémentaire. Ainsi, chaque enseignant qui sera recruté comme fonctionnaire devra suivre une formation avant leur affectation. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale s'engage à octroyer une subvention de 110 000 ariary aux enseignants FRAM.